Yo les potos! Salut les potos! Le retour des bros. Ouais. On espère que vous allez bien depuis le temps. Ouais, ça fait un petit moment. Ouais. Donc on est occupé. Voilà. Pas trop de matos qui nous branchait. Aussi, donc, ouais. Voilà, et puis. Des vies perso. Ouais, ouais, et puis une petite pause, ça fait du bien. Mmh. Voilà, donc de retour, on va vous présenter une box BF. Donc de chez Elif. La Pico Squeeze 2 envoyée gracieusement par Gearbest, donc merci à eux déjà. Ouais. Comme d'hab, parce que là on a été absent 3 mois et on a bien senti qu'on nous a bien laissé tomber un petit peu de partout, en droite à gauche. Parce que, voilà, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, voilà. Comme on le disait ça avant. Ça pas dormir. J'allais dire comme on le disait avant et on le dira aujourd'hui. Hein. Ouais. Franchement, comme on disait, ça fait du bien une petite pause. Ouais. Voilà. Après, hein. Voilà, on fait notre sauce. Voilà. Bon, c'est Pico. C'est Pico, mais on va passer en gros plan. Ouais. Le menu, il est simple, donc ça va aller vite. Ouais. Donc c'est un... C'est le setup complet, hein, avec le dripper en dessus. Qui, soit dit en passant, est très bon. Il y a le bouton fire qui n'est pas placé comme d'habitude, ce qui peut des fois choquer ou dire ça va pas être pratique. Et en fait, tu vas nous montrer ça en gros plan. Moi je m'y suis bien fait. Eh ben, allez, c'est parti. On va passer en gros plan. On fait même en live comme ça. En direct comme vas-y. Ça. T'es un fou toi. On m'a toujours dit qu'on faire, c'est un fou. Ouais. Allez, alors. Hop. Alors. Visiter le packaging viteuf. Donc il y a la box, hein, là. Ok. T'as secoué le rosé, hein? Ouais, un petit peu. Donc j'espère, il y a deux coils, il y en a un qui est à l'intérieur, donc vous verrez après. Un deuxième, non c'est pas, oui, un pin classique, pardon, les joints. Bon, la documentation, le célèbre outil multifonction, un pad de coton, l'USB, une bottle de rechange et des vis encore de rechange. Voilà, donc ça, j'ai envie de dire comme à l'habitude, quoi. Ouais. Il manque les couvercles, non? Ah, mais c'est toi qui l'as. Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, à noter, donc cette box, 18650, 2700 et 21700. Voilà, il y a un adaptateur 18500. Mais de quoi il parle? Il y a un adaptateur 18650 qui est fourni avec, donc qui est là. Je rigole, il y en a au thème de la question du. Bon, quand même. Donc voilà, l'adaptateur. Les finitions, elles sont très bien. Ouais. Rien à dire. La visserie, c'est pareil. Mm. Hop, le dripper. On va aller faire un petit tour dessus. J'aime bien. Le drip type est sympa. Je ne l'ai pas enlevé, mais il s'enlève. Tac. Hop. Donc, single coil. Voilà. La mise en place, elle est simple. Hop. C'est bon. Alors, pas plus simple pour coiler. Faites attention que les pattes ne viennent pas toucher le bord. C'est tout. Voilà. Donc un single. J'ai mis un col qui est fourni avec. C'est très bien. Rien à dire. Le dripper en lui-même, eh ben, ouais, le petit dôme, les saveurs sont bonnes, voire très bonnes. La coupelle pour le jus. Tac. Puis ça se marie bien comme ça. Avec. Enfin, de l'autre côté, avec celui-là. Après, fonctionnalité. Est-ce que je les lock là?
Oui. Ok, lock. Alors, pour déloquer. Non, déloquer. Donc, c'est le plus et le moins. Donc, là, j'ai déloc. Je sais pas si on y voit si. L'écran ? Ouais. Je pense pas, non. Eh non, avec la lumière du jour. On voit pas. Non, on était à l'intérieur voilà. Peut-être, mais attends. Hop, là j'avais réussi à le voir à 40 watts. Mais c'est éteint. Non, ah non. Non, non, ça, là, c'est, ça dépend. Donc, le plus et le moins. Si ça veut bien le faire. Voilà, on rentre dans un menu, donc ça c'est le menu LED. Là, vous choisissez l'éclairage. Ouais. L'éclairage derrière la bouteille. Ouais. Tac. Qu'est-ce que j'ai touché là? C'est les volts. Hop, retour. Voilà. Le menu principal, lui. 1, 2, 3, donc voilà, on clique 3 fois, donc là je suis en wattage, le mode TCR, TCR2, TCR1, contrôle de température pour le SS, le titane, le NI, merde, et le bypass. Ouais, tu fais bien de le dire parce que je suis pas sûr qu'on le verra, mais... Donc voilà, donc le menu il est simple, et le wattage. Voilà, il n'y a pas plus. Finition de la box elle-même, je les trouve parfaites. Après, voilà, c'est mon avis. Pour moi, c'est top. Depuis que j'utilise, j'en suis content. La peinture, elle n'a pas bougé. J'ai amené au travail. Je la trimballe un peu partout. Voilà, la mise en place de la bouteille, c'est simple. Hop, ici, il y a un... Ouais. Le petit bec, vous le mettez ici, clac, voilà. Il y a tout qui est flush, ça bouge pas. Je l'ai posé une paire de fois un peu de partout, c'est pareillé. Ben voilà quoi, c'est... Ouais, c'est bien usiné, c'est beau. Ouais, la finition, elle est terrible. Ouais. Un produit vraiment sympa, et pas cher, pour un setup complet. T'as combien de roms, là? Là, je suis en dual, en single, pardon, 0,23. Les coils fournis avec. 40 watts. Ouais, 40 watts. Une petite vape là. Attends, je vais bloquer. Hop, voilà. Donc pour bloquer les touches, vous restez appuyé sur le plus et le moins. Donc 5 clics pour éteindre la box, 1 clic pour l'allumer. Voilà, ça va super bien. Le Reaper, moi je l'aime beaucoup. Toi, tu l'as pas testé, tu vas le tester après Dance. Ouais. Moi je vais être le testeur. Hop, désolé pour le décadrage, j'essaie de caler le téléphone. Le téléphone qui tombe, ça serait cool. Ouh le con. Vire la boîte. Ah oui, t'avais pas mis la boîte. Et ouais, tout à l'heure j'avais pas la boîte, c'est vrai. T'emmerdes pour rien. C'est vrai. Hop. Tu arrives? C'est bon. Ou le coup, j'espère qu'il va tenir. Bon, bah, je vais tester ça moi alors. Ouais, je vais tester. Allez. Le skunk fonctionne très bien. Le jus remonte bien. Moi, je suis en full VG. Donc, ouais, nickel. Hein. T'es en full GG? Ouais. Oh, GG. On le voit là. Enfin, nous, on le voit, vous le voyez pas, mais ça remonte tranquille. Donc c'est vrai que le fire alors sur le côté quoi. Ouais, alors c'est ça, ce que j'expliquais, ça peut dérouter, c'est souvent ici, mais en fait moi vu que je tiens ma box comme ça, du coup j'appuie avec le pouce. Avec le pouce, ouais. Ça fait pour moi ça, ça me gêne pas. Ouais. C'est un style. Ouais. Mais ouais, moi j'aime bien. Ouais c'est j'aime vrai, bien. En plus t'appuies là avec le piston. Ouais, ouais. En plus t'as mis ton petit jus Mojito. Il est frais, passe bien pour l'été.
Il va pas oser démarrer lui quand même. Si si. Si. Tu vas oser là. Hein? J'essaye de démarrer là. Ah. Et t'attends qu'on filme. Et t'as fait tomber, t'as fait tomber un truc en plastique là. Il y a un truc derrière toi. On vous reprend. J'ai mon fils qui a eu la bonne idée de vouloir démarrer son scooter. Et le voisin qui coupe ouais, maintenant. Le voisin qui coupe avec le rotofile, c'est nickel. Voilà, les joies de la vidéo à l'extérieur. Mais sinon on voulait changer, hein. On voulait faire un peu d'Europe. Ouais, il fait bon, c'est dit bon. Enfin, alors frérot, ça ça dit. Ah il me rend fou. Il me rigole. Je vais jeter un parfum. Ah, ok. Ouais, c'est sûr qu'elle me branle moins. Hein. Il me branle moins, lui, par contre. Mmh. Il me branle moins, ouais. Enculé, on est 3 heures en plus, il faut que son truc. Bref, excusez-nous, hein. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Comme on disait tout à l'heure, ouais, belle finition. Ouais, moi, c'est top, franchement, pour. Il y a 70$ sur Gearbest. Mmh. Il se trouve à 52, non, à 62$ sur Fastech, mais bon, moi on prend sur Gearbest, moi Fastech j'ai fait 2 commandes il n'y a pas longtemps, enfin il y en a une j'ai reçu, l'autre blocage, je sais pas pourquoi, Gearbest a priori, ce que je discutais avec la personne qui s'occupe de nous, il disait que s'il y a des blocages douane, c'est Gearbest qui les prenait en charge, des douanements. Ouais. Donc du coup on prend que sur Gearbest, voilà, après chacun fait ce qu'il a envie. On vous mettra le lien direct du setup. Ouais franchement conseillé, bonne vape, le dripper il a des bonnes saveurs. Ouais moi, même la boque j'aime bien. Mmh. L'activité et tout, elle tabasse. Par rapport à la Vandy. La tabasse. En taille. À la Vandy. Elle est plus petite. Ouais elle est plus petite que la Vandy. Mmh. En hauteur. Et après. Vu que c'est arrondi, ça doit sûrement être kiff-kiff peut-être, mais bon. Bon. De là à là, on le voit. Donc ça fait en euros, je crois que ça fait 50. Hein? 52 euros, un truc comme ça, le setup complet. Ouais. Ben, franchement, ça le fait bien. Ouais. Ça le fait vraiment bien. Un petit noir. Finition top. Ouais. Enfin, pour moi, elle est top cette box. Ah, non, voilà. C'est bas. Ouais. BF Electro avec le dripper pour 50 boules, bon. Carrément. Quand tu vois des fois les dobs qu'il y a. Ouais. Et autonomie et tout. Autonomie, ça va correct. Ouais. Bien, mais vraiment correct. Ouais, ouais. Je tourne quand même en 21-700. Là, j'ai mis une 1850, mais d'habitude, je mets la 21-700. Et. Ah ouais, ouais. Non, elle est bien. Ouais. Bon, après, je suis à 40 watts. Hein. Même en mono, et tout, je vois, ça me plaît. Ouais, ça ouais. Bien. Ouais, ouais. Ouais. Je trouve sympa. Donc à conseiller quoi, plus. Ouais. Voilà. Après, revu à venir, j'en sais rien. On verra. On verra, ouais. On verra ce qu'on va acheter. On va voir déjà si ça vous fait plaisir qu'on refasse des vidéos. Ouais. Mais non, on verra, ouais. Et puis voilà. Là, il y a des jus, à flot là qui sont en step depuis maintenant 2 mois là. Des 3S. Plus 2-3 jus qu'il m'a envoyé. Des arômes, des concentrés qu'il m'a envoyé, que j'ai mis à step aussi, des nouveaux, donc on les testera. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Après, il y a des guns qui nous ont réenvoyé. Voilà, et nous, il n'y a rien qui nous dit de plus. Non, donc après, je verrai de temps en temps, on guettera. Ouais, voilà. Un petit truc par-ci, ouais. Par-là, mais. À voir. À voir, voilà, ouais. Après, faut qu'on. Ouais, j'allais dire, après, on avait eu ça, on l'avait pas fait, mais parce qu'on n'avait pas le temps et tout. On pourra faire un retour dessus aussi quand même. Hein. Voilà. Parce qu'elle est bien. Hein. Ouais, voilà. Voilà les amis, voilà, les c'est potos. Tout. Bon, on espère que ça vous a plu. Ouais, content. De voir nos ganaches aussi. Ouais. Vous êtes content de notre retour. Et t'as eu, le retour, hein, même pas browser lapping et tout. Ouais. Et petit débardeur, petit éton comme ça. Toi, mode vacances. Donc voilà, ouais, mode vacances, tranquille. Ouais. Donc écoutez. Bon, on espère que vous en passez des bonnes. Ouais. Ou que vous allez en passer des bonnes. Et on se dit à bientôt. À bientôt, hein.
Ça m'a fait plaisir. Ouais, moi aussi, ça faisait un moment. Merci, monsieur du Rosa. Allez, poto. Prenez soin de vous, de la famille, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, rejoignez-nous sur le groupe Brother Vaping. Eh oui, Facebook. Hein. Ouais. Je ne voulais pas juste depuis 3 mois. Con. Alors, parce qu'on a fait un petit tri, donc il faut remonter un peu. Là. Après, petit projet aussi, là, qui nous ont donné un peu la fièvre. Petit Jean, Nico Vap, ouais. Vincent Aubrac aussi, sur le groupe. Yo, Vincent. Ouais. On va faire une vape station Brother Vaping. Ouais. Donc on la fera aussi en tuto, tout ça, si vous voulez vous en faire une. On fera un truc à la bien même. Ouais. Du début à zéro. Ouais. Du début à zéro. Ouais, du début à zéro, c'est pas mal. Ouais, mais c'est parce que je veux rien faire en fait. Ouais. Du début à faire, on fera les trucs vraiment bien. On fera les trucs vraiment bien. Non, voilà. Ouais, carrément, ouais. Même de partir de la boîte et tout, genre on montrera tous les détails et tout. Ça va tuer. Ça va le faire. Ça roule les poteaux. Allez les potes, bah écoutez. À je plus. Leur ai dit, prenez soin de vous, de la famille. Et puis on se dit à bientôt. Et puis voilà. Voilà. Allez, ciao. Ciao les potos. T'as bien, on va essayer.